Bon, allez, ce matin, direction les bus collectifs. Je rejoins ma petite guide et je vais faire la visite d'Anamet toute la journée. Voilà, donc je pars de bonne heure parce que Anamet c'est à une heure de bus collectif à peu près. Continue la visite de la Tunisie. On n'est pas venu ici pour regarder les mouches voler. Petit collectif, je viens de prendre des places. Merci. Je vais poser la question, est-ce que tu allais avec toi ou tu C'est un peu plus loin que à Mamet. Et voici, nous sommes à la gare derrière routière. Il y a du vent aujourd'hui. On reste là. Il y a le grand rappel. Donc on trouve les épices, on trouve des épices. Les vêtements traditionnels tunisiens. D'accord. Annabelle. Et tu m'as dit que c'était aussi l'endroit où il y avait beaucoup d'oranges. Oui. Ici, c'est les sons. Et les céramiques, oranges, l'eau de fleurs. D'accord. Regardez le commencement, il n'y a rien du tout. Chouf, tu peux filmer. Là, regardez, dès que le commencement. Là, on va pour faire un design tunisien. C'est quelque chose que ça présente la Tunisie. Voilà. C'est le reportage. Là, le reportage. Vous êtes le Picasso de la Tunisie, le champion du monde. Sur la sculpture sur cuivre. Ah ouais, c'est ce que je vois. Oui, monsieur. Chacun est roi dans son domaine, c'est ça ou pas? Exactement. Voilà. Moi, je suis le champion du monde, ça, c'est que je le sais très bien. Dans mon travail, pas dans les autres travails. Regarde, travail à l'inspiration. Graver les prénoms comme fait à la main. Et après, il y a le bombé qui est fait avec. On va vous montrer comment on forme le sablage, d'accord. Le sable, le lignage pour se ressortir le design. Voilà. C'est bon? Magnifique. Voilà. Comment tu t'appelles? Afet Kayati, bienvenue à Annabelle. Afet Kayati, d'accord, tu es artisan, on a vu ton travail, superbement bien fait. Merci beaucoup de votre rendre visite à Annabelle, je vous montre qu'est-ce que j'ai fait de plus, mon action. Okay. On fait les théières, on fait les narguilés, les tables santé. On fait les plateaux que j'ai déjà préparé avant. Venez voir tous les tableaux que j'ai déjà fait. Comment tu mets les couleurs dedans? Ah, comme ça, voilà, avec les peintures. D'accord, la marque. Voilà, il y a tous les tableaux que je fais, toutes les actions là, les théières.
un beau joli théière. Ça, c'est martelé. Il y a là, c'est ciselé. C'est les meilleurs pour servir. Vous êtes le bienvenu. Ok, merci. Merci. Merci bien. Bonne continuation, bon courage. Merci bien. Donc, maintenant, voilà. Bienvenue. Je vais regarder la vidéo, il y a à la page musique. Marina de Hammamet. Club week-end. Club week-end. Alors, nous sommes à Hammamet sur la zone touristique avec les gros hôtels. Solaria. La promenade. Shokran. Shokran, shokran. Nous arrivons à la marina de Hammamet. T'as vu la mobilette? Oh la vache! Alors, port de Yasmine à Hammamet. Hammamet Nord. C'est la médina, ça, en face? Oui. Ok. Oui. Médina de Hammamet Nord. Aïe, 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 aïe. Merci. Plutôt sympa. Les blébis. Les blébis. Mmh. Alors dedans il y a Hammamet, oui. Alors dedans il y a pois chiche. Kemoun. C'est quoi? Kemoun. Kemoun. Vert. Oui. Mmh. Ton. Oil. Roy. C'est bon. Ça. Alors oui, il y a du pain. Des pois chiches, de l'huile olive, harissa, harissa, kamoun, c'est tout. Mmh. Si tu veux une œuf, oui, si tu n'aimes pas, oui. Mmh. Moi. Ok. Ça va. Donc je vais finir par un petit résumé de la saison 2023.
Antécoum a parcouru quelques milles quand même. Donc ce que j'ai prévu, parce que je marque tout sur mon livre de bord, je dédie une page à la fin de saison pour, sur le livre de bord. Comme ça, j'ai toujours une trace de ce que je vais avoir à faire. C'est un peu une petite to-do list que je mets sur mon livre de bord. Donc j'avais prévu donc, la vidange, bien sûr, elle est faite. J'avais prévu de renouveler les préfiltres à gasoil, filtre à gasoil. J'ai même les références sur mon livre de bord, comme ça, quand je cherche, je sais où trouver. Renouvellement du filtre à huile, c'est fait. Renouvellement du filtre à gasoil, donc il y en a deux, hein, des filtres à gasoil, il y a le préfiltre et le filtre sur le moteur. La révision des voiles donc, a été faite. Je pense que c'est un travail qui est super bien fait. Bon, j'ai pas vu la voile complètement développée, mais l'artisan va venir au mois d'avril pour remonter les voiles avec moi. Comme ça, je pourrais constater s'il a fait super bien son travail et je pourrais toujours lui faire une remarque à ce moment-là. Mais de ce que j'ai vu, déjà, c'est super propre. Donc, j'ai fait la révision de la voile d'avant avec le changement de la bande UV complète. Et renouvellement des sangles. Vraiment, là, je repars sur une année 2024 avec des voiles révisées complètement. Sur la GV, j'avais les fourreaux de latte qui étaient décousus. Donc ça c'est fait aussi, ça a été révisé. Et bien sûr, pour rappeler, l'œillet, au niveau de l'œillet, j'avais ma voile qui s'était déchirée en dessous du riz 1. Et ça a été réparé aussi. La grande voile a été complètement révisée. Et ça c'est fait. Et sur mon lazy bag, j'avais un petit défaut de longueur de joncs qui soutiennent le lazy bag sur chaque côté, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. L'artisan m'a fourni la bonne longueur de joncs qu'il faut. Voilà. Donc je suis rentré ici le 24/8/2023. Et jusqu'au 24/8/2024, il ne va pas falloir que je passe plus de 183 jours physiquement, moi, dans le pays. Quant à l'année 2023, sur le nombre de milles parcourus, où est-ce que j'ai marqué ça? Quelque part, sur le latif des heures que j'ai fait cette année en moteur, j'ai fait, je suis parti à 980 heures de Port-Saint-Louis du Rhône. Et je suis arrivé ici à Monastir en heure totale à 1186 heures, ce qui nous fait 206 heures moteur. J'ai parcouru en milles nautiques 1655 milles nautiques précisément. Voilà, ce qui n'est pas énorme, hein, j'aurais pu faire plus. Mais j'ai privilégié cette année beaucoup plus de prendre du temps sur les Baléares, bien visiter les Baléares. J'avais l'intention en fait de faire une route vers le Maroc et je m'étais dit que je ferais ça en remontant sur l'Espagne, ensuite vers Valence. Mais du coup, ça s'est pas passé comme ça, donc j'ai complètement zappé Ibiza cette année. C'est pas l'île qui, à mon sentiment, a le plus d'intérêt. Celle qui a vraiment le plus d'intérêt, c'est effectivement Majorque. Minorque a beaucoup d'intérêt aussi, mais il y a plus de choses à voir sur Majorque. L'ensemble de la visite des deux îles, je l'ai tourné dans un sens, j'ai tourné dans l'autre, j'ai fait un maximum de mouillage. J'ai fait en tout et pour tout sur mon année 2023, sans compter bien sûr le port de Monastir, hein, qui là c'est un port, c'est un hivernage, mais pendant le voyage, j'ai fait la Grande Motte, Rosas en port 4 jours, la Grande Motte une journée, Rosas 4 jours. Ensuite j'ai fait plus aucun port, je suis en train de réfléchir. Si, j'ai fait Mahon, mais c'est pas un port, c'est des pontons flottants, enfin c'est un port quand même. J'ai fait Mahon deux fois 2 jours, deux fois 3 jours, deux fois, enfin bon, en grosso modo, allez, on va dire si au bout du compte. Dans mon année de voyage, j'ai fait 10 jours de port, je suis au bout du compte. Le reste, c'était du mouillage, en faisant bien attention d'aller se mettre à l'abri des vents dominants et de la houle dominante. Voilà, donc année 2023 plutôt sympathique. L'année 2024, je pense qu'elle va être sympa aussi. Je ne sais pas encore si je fais de la Sardaigne ou si je fais de la Grèce.
Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon. Et faites attention au foie, il risque d'en prendre un coup. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne Antecum sur son année 2023. Et j'espère qu'on se retrouvera tous en 2024. N'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Antecum et son équipage quand vous le voyez au mouillage ou quand vous le voyez passer pas très loin de vous. Si vous avez la possibilité de nous faire un petit bonjour, n'hésitez pas, ça sera toujours avec plaisir. Bon, je vais à la cantine. Il est 12h32. Oh, il fait encore un temps. Ah, la cantine, à la cantine. Du retard aujourd'hui, disons, sur mon programme habituel. C'est super beau. La cantine, c'est à gauche là-bas, après l'arche. Rive. Oh, bonne petite place là. Bonjour, ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Pâte et bœuf. Voilà, je suis à table. Ça fait 30 secondes que je suis assis et j'ai déjà mon coca qui est arrivé. Et à mon avis, dans assez peu de temps, je vais avoir ma commande qui va arriver sur la table. Expéditif et pas cher et bien servi. Et voilà, c'est servi. Alors du riz, du poulet, ça c'est un petit peu relevé mais c'est bon. Des épices. Et cette rouge des soucis. Et aussi ce sombre dans l'ambiance du centre-ville de la Médina. Nous ne sommes pas encore en plein milieu d'hiver, nous sommes le 10 décembre 2023, Monastir, la température 20-22 degrés. Eh bien, j'aime bien la douceur qu'apporte la Tunisie à cette saison de l'année. J'avoue que ce n'est pas fait pour me déplaire. Regardez-moi ce grand soleil bleu et l'ambiance qui règne ici aujourd'hui, un dimanche, à Monastir. C'est plutôt sympa, non ?